Bonjour à tous et à toutes. On n'oublie pas les femmes. Elles sont peu nombreuses dans la chaîne, mais peut-être qu'on va en avoir plus maintenant. Avec ton t-shirt. Avec mon t-shirt qui fait fureur apparemment. Donc on est toujours à Shibu Onsen. Comment était Shibu Onsen? Magique. À faire. Si vous avez l'occasion de faire un village à Onsen, Shibu Onsen, c'est pas mal. Et le Kokuya, c'est ça le nom de l'hôtel? Kokuya, oui. Hôtel incroyable. Service. Onsen. Ouais. Qui sont privatisables. En fait, c'est sur réservation dans l'après-midi et après dans la soirée, c'est juste. Dès que c'est libre, tu y vas. Il y a genre 6 ou 7 chambres et il y a 8 onsen. Donc logiquement, il y a toujours un onsen de libre que vous pouvez avoir pour vous. En couple, c'est à recommander. Je pense qu'en famille, ça doit être très sympa aussi pour le coup. Oui. Donc voilà. Donc là, on va à la petite brasserie de saké. Et cet après-midi, on est à Nagano. On va récupérer les valises, faire le check-in de l'hôtel et visiter un peu Nagano tranquillement. Donc, voilà. On va rester 2 journées pleines à Nagano et on va aussi aller à Matsumoto. Donc voilà, ça va être le programme des prochains jours. Et ensuite, on rentre à Tokyo pour rentrer en France. Donc les vacances touchent à leur fin. Donc écoutez. Dans une semaine, pile poil, on rentre. Dans une semaine, on serait déjà dans l'avion. Bah ouais, mardi à cette heure-là, on sera dans l'avion. Ouais. Donc c'est parti, on va à Nagano. Et d'abord, on va visiter la petite brasserie de saké juste à côté qu'on nous a recommandé. Donc on va voir ce que ça donne. Un peu long cette ouverture, madame. Bonjour. Je viens pour la réservation du Metropolitan Hotel. Voilà, on a réservé un petite chambre. Moi, bon, c'est déjà un petit peu installé. Hop. Mais c'est très bien, il y a de l'espace, grand lit, parfait. Avec plein tout ce qu'il faut, petite télé, petit bar, tout ça. Et on a une belle vue sur la gare, regardez comme c'est beau. Bon, il y a les montagnes comme ça, c'est bien. Wow. C'est pas mal. C'est hyper pratique parce qu'on est vraiment à côté de la gare, donc hyper pratique pour s'installer. C'est nickel. On a le Don Quichotte juste à côté. Si on a besoin d'acheter une valise ou quelque chose comme ça, par exemple, c'est qu'un exemple. Hein.
たします。この列車は10時10分発松本塩尻方面普通列車の甲府駅です。Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Matsumoto, donc dernier, on est à la gare. Parfait, endroit parfait pour tourner une vidéo évidemment. Et on va visiter le château de Matsumoto qui est très réputé, et puis on va se balader dans le coin. Hein, donc voilà, petite journée tranquillou. Crazy Taxi! L'armée des chats démoniaques. Totemo bunka. Nihon no bunka desu ne. Nihon mo chousu desu ne. Arigatou gozaimasu. Doko de benkyou shita n desu ka? Ah, France de. Oui. Fake news, c'est une rue où il n'y a personne. Mensonge. Il y a plein de touristes d'habitude. Ici. Petite grenouille. C'est le magasin des grenouilles ici. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas être belle. C'est vintage. Matsumoto Nawate. Mets-toi comme il faut, avance. T'as une trop petite tête. Là, il y a des quoi, kabocha? Sembe chaud. Ah, c'est des sembe. Je ne suis pas très fan des sembe. Ils ont l'air bons, là, en vrai. Sembe, c'est des petits biscuits secs. Ah, il y a des taiyaki. Ça, je dis, s'il y a des taiyaki à la glace, parce que d'habitude, c'est avec des red beans, ça peut être pas mal. Oh, il y a un magasin de jeux de société. Excellent. Plein de jeux de société. On va aller voir ça.
petite N64 à 2300 yens, c'est pas trop cher. Par contre, la Saturn dégueulasse, là, enfin la Saturn, la Dreamcast, c'est nul. Ça, c'est cadeau pour celui qui l'a pas. C'est même triplement cadeau, là, pour le coup. Et on a même du Omega Boost à 900 yens. Il y en a deux. Voilà, pas mal. Dommage, c'est pas cher, 550. Mais bon, j'ai plus de place, moi. C'est un peu relou. Dommage. T'as filmé ? Oui. Ah, super. Bonjour à tous, on se retrouve pour notre dernière vidéo à Nagano. Aujourd'hui nous visitons le Zenkoji, qui est le complexe un peu similaire à Asakusa à Tokyo pour ceux qui connaissent. Donc assez sympathique, c'est grand et c'est immense. Donc là on vient de faire le... Oula, je t'ai caché, je te vois plus. Caché, revu. Caché. Raté, revu. Oui, il y a du vent aujourd'hui, il fait très bon, ça fait plaisir, c'est quasi la première journée avec hier où on est bien, donc c'est vraiment agréable. Donc on a visité ça hier, enfin, à l'instant, on a fait le tunnel du noir, franchement moi j'ai flippé, c'était pas bien, j'ai pas aimé. On est dans le noir, dans un long tunnel où il faut trouver une clé, super, on se croit. C'est ça, la clé du paradis, moi j'appelle ça Fort Boyard, mais bon, bof. Enfin, bon, sinon c'est très sympa, c'est très joli. Ah, c'est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup moins de monde qu'à Asakusa, donc c'est une meilleure expérience. Parce que moi, à Asakusa, je trouve que c'est joli, mais il y a trop de monde, c'est un peu étouffant. Moi, j'aime pas les gens, vous savez, je suis un petit côté asocial. Et donc voilà, donc on va finir. On a encore plein de trucs à faire ici. On va certainement passer une bonne partie de la journée. Et on a prévu aussi d'aller au musée. Comment il s'appelle ce musée national ? Musée préfectural de Nagano, il y a une exposition spéciale au Kusai. Je sais plus quoi. Il y a un événement au Kusai, il y a une expo. Donc pour compléter la visite qu'on a fait il y a deux jours à Obuse, où on avait visité justement le musée au Kusai. Donc c'était l'occasion de compléter notre parcours au Kusai sur ce voyage pour le coup. Donc voilà, écoutez, c'est parti, on y va. Thank you.
mis avant les typhons. Oui. Là, il n'y a plus de vent. T'as de l'arnaque, il fait chaud. Il faisait moins chaud ce matin. Oh, quand même, t'exagères. Il y avait plus de vent, mais il faisait quand même plus chaud. Ouais. Est-ce que tu vas danser le Bonne Dolly? Il y a de la musique et tout. Ben... C'est, alors, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le Obon Odori? Non. Qu'est-ce que c'est que Obon déjà? Ben, c'est une espèce de fête des morts, voilà, au Japon. Bouddhiste, qui est lié donc au, à la religion qui bouddhiste. Qui a lieu en août. Mi-août. On célèbre les ancêtres. C'est ça. Une célébration des ancêtres, exactement. Et donc, bah, normalement, ça commence vendredi. Mais en fait, ici, il y a déjà un truc ce soir. Donc ça, on ne le savait pas. On l'a découvert là. Oh, regarde, le petit Bouddha, ils ont mis une petite robe. Il n'avait pas ça ce matin, si. Ouais. Et donc, voilà. Donc, bah, on est revenu. Vu que, bah, on va pas quand même rater ça. Ce serait dommage. Alors que c'était pas prévu. Donc, aujourd'hui, ce soir, soirée, on va danser. Ou regarder au moins les gens danser. Au moins regarder les gens danser, mais moi je vais danser une fois que j'aurai bu 2-3 bières. Je serai chaud. Je vais danser avec des petites japonaises comme ça. Très bien, très bien. Ça va être parfait. Mon mari. De Ika, ben. Ça sent bon? Ça sent très bon. Smile, allez, on fait une petite photo en même temps. Regardez ça, ce cadre pour manger. Parce qu'on est pas mal là, franchement. Et après on va aller danser. Thank you.